Bonjour à tous, on se retrouve chez Fastnode. On va tester aujourd'hui une fonctionnalité qui est un petit peu exclusive qui s'appelle l'autocharge. C'est le simple fait de brancher la prise du chargeur à sa voiture et que la charge démarre toute seule. On n'a pas besoin de se connecter, de démarrer la charge avec l'appli, on n'a pas besoin de mettre un badge RFID. Donc c'est intéressant, déjà c'est pratique, c'est confortable, mais en termes de sécurité, ça évite de se faire pirater son badge ou sa carte. Donc la seule chose à faire, c'est qu'il faut renseigner sa voiture, son type de voiture dans l'application Fastnode. Il faut activer la fonction autocharge. Donc c'est disponible sur pas mal de véhicules, à part les anciennes, par exemple les e-Golf, voilà, mais sinon c'est disponible sur pas mal de voitures. Donc le but, c'est du plug and charge. Une fois que c'est activé, il faut juste avoir déjà rechargé une fois chez eux. Le chargeur, il va aller prendre l'adresse MAC de la voiture. L'adresse MAC, c'est l'adresse IP, hein, c'est comme n'importe quel ordinateur ou téléphone. Donc une fois qu'il a ça, il l'a dans sa base de données. Et puis on va essayer, on va se brancher en direct. Donc là, je me branche. Donc le voyant est bleu, il clignote. Il doit rechercher dans la base. On va aller voir, il préchauffe. Là, on voit que la session commence. Il voit qu'il y a 43% de batterie. Et c'est parti. Voilà, donc j'ai rien fait, hein. J'ai rien touché à l'application. On démarre avec une puissance de charge de 50, 60. Donc voilà, j'ai juste branché à ma voiture. Et puis c'est parti tout seul. Donc voilà, c'est effectivement aussi facile que sur un superchargeur. On va regarder l'écran de ce côté-là. Voilà. Là, on est pas mal, on prend 110, ça redescend un petit peu. On a 44%. Donc c'est quand même une fonction intéressante, hein. On gagne du temps. On n'a pas à sortir et perdre sa carte, pas besoin de badge. Je vais vous montrer les bornes de recharge des hyperchargeurs. Donc là, on peut toujours voir sa session ici, une session active. Donc là, on a le petit résumé ici. Puis quand on appuie, on a le détail. Bien sûr, sur l'appli, après, on a toutes les stats de sa session. Voilà, je suis à 46% de niveau de batterie et j'ai à peu près presque 100 kW de charge. Donc voilà, c'était la fonction autocharge qui est disponible chez Fastnode. On pourra la tester sur d'autres véhicules. À bientôt!